Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que ça va bien. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir les amis, voilà, vous êtes tous présents ce soir. Merci infiniment, merci pour votre présence. J'en profite du coup pour passer le bonjour à tout le monde. À Romain, comment ça va, petit copain? Ça va-t-il encore? Mister Hate Crew. Benjamin Caillot, Mister Tom, Guillaume Noël, Pascal Ourock, mon Chris Hayden, comment vas-tu? Mon Laurent Duroc, que j'ai vu samedi dernier au workshop avec le bro Jay. Comment allez-vous? Voilà, j'espère que ça va bien. Je suis ravi de vous voir ce soir. Alex de Groutola, Cherokee, Pierre, que j'ai aussi vu samedi dernier, Sébastien Armel, Baby Bryce, salut Pierre R. J'ai vu Nelly tout à l'heure. J'ai vu Nico Siaka, le copain Nico, bonsoir. Gildas, qui a réservé sa place pour le workshop du 19 juin. Romain Rosset, Echo, avec lequel on va bientôt commencer les cours d'ailleurs. Roro Boubou, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravi. Claude, que je verrai aussi demain soir sur Skype. Stéphane, Maxence, Leroux, bonsoir, n'est-ce pas? Bonsoir à tous, voilà. J'espère que ça va bien. J'espère que vous vous sentez bien ce petit mercredi soir que l'on va passer en partie ensemble. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on a décidé de rendre hommage à l'immense Gary Moore. Voilà, Gary Moore qui est disparu maintenant depuis quelques années et que nous regrettons tous les jours. Voilà, tous les jours de guitare que l'on passe, et ben il y a un petit bout de Gary qui est à l'intérieur. Moi, ça m'a fait un quick, voilà, comme Van Halen, de savoir qu'on n'entendra plus de nouvelles musiques de Gary. C'est quelque chose qui m'a énormément impacté. Voilà, ça fait mal de voir tous ces grands qui disparaissent sans qu'on ne puisse rien y faire. Bon, à part leur rendre hommage, comme ça va être le cas ce soir. Donc j'espère que vous allez bien. On va être quand même en mode bonne humeur, bien entendu, et on va surtout travailler la guitare. Et pendant que je vous parle un petit peu, eh bien, vous pouvez, en attendant, aller télécharger le petit pack. Voilà. Le petit pack gratuit avec lequel on va s'amuser ce soir, tous ensemble. Donc c'est sur mon site, tout simplement. www.neogeofanatic.fr, vous allez dans la rubrique téléchargement, vous cliquez sur la nouvelle petite ligne que j'ai mise tout à l'heure, et comme d'habitude, l'ami Laurent nous donne directement le lien dans le chat que j'épingle tout en haut. Voilà, vous pouvez cliquer sur le message de l'ami Laurent qui vient de nous le mettre dans le chat. Et que j'épingle en haut, voilà, pour aller tout simplement télécharger le lien sur mon site. Voilà, c'est gratuit. Et du coup, eh bien, ce pack contient les backing tracks. Voilà, un backing track court et un backing track plus long, comme vous avez pu l'entendre, avec lequel j'ai démarré un petit peu cette session. Donc, allez le télécharger, c'est totalement gratuit. Et on va rendre hommage à Gary Moore ce soir, avec énormément de plaisir, en tout cas pour moi, de vous avoir concocté le contenu du jour qui est totalement inédit, voilà, qui est réservé à ce cours sur ma chaîne. Et du coup, j'espère aussi du plaisir pour vous à travailler le côté mélodique de Gary. Quelque chose qui va véritablement essayer de nous faire modeler une ligne mélodique, une phrase mélodique à la guitare, avec tous les effets de jeu dont on va parler sur la base d'une mélodie que je vous propose, eh bien, ce soir. Voilà. Sachez, les amis, que si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les cours gratuits que je donne sur cette chaîne avec ce petit QR code qui est situé en bas à gauche de l'écran et que je vous montre de manière un petit peu plus grosse. À l'instant au milieu de l'écran, si vous souhaitez soutenir les cours gratuits, si vous avez un ou deux balles qui traînent, si vous en avez envie sans aucune obligation, bien entendu, vous pouvez le faire, ou alors tout simplement en cliquant dans le lien PayPal qui est dans la description, voilà, de cette vidéo. Sachez qu'il n'y a absolument rien pour Google, que Google est totalement dégagé
de ces turpitudes de dons. Sachez que Google, d'une manière générale, prend toujours 30% de ce que vous donnez dans le super chat. Donc plutôt que vous et nous nous fassions arnaquer, autant que 100% du don aille, en l'occurrence, ce soir aux musiciens, c'est-à-dire bon, bah, qui vous propose le cours, c'est-à-dire bah, en l'occurrence moi, avec 100% du don qui est reversé bien pour soutenir le travail de qui est qu'implique ces cours gratuits. Je vais y arriver. Donc vous pouvez cliquer sur le lien PayPal qui est dans la description pour soit faire un don avec votre compte PayPal, soit avec votre CB, d'une manière totalement sécurisée, bien entendu. Je me permettrai de refaire quelques appels aux dons si vous le souhaitez. Sachez que ce n'est en rien obligatoire. Si vous avez des difficultés en ce moment et si vous avez juste envie de passer un petit moment de kiff ensemble, soyez les bienvenus, bien entendu. Mais sachez que c'est toujours apprécié d'avoir un petit soutien pour valoriser tout simplement le temps qui est nécessaire à ces cours gratuits que je continuerai à plus forte raison de plus en plus sur la chaîne parce que les retours sont bons, vous avez l'air de bien aimer et moi en tout cas je prends un plaisir infini pour les préparer. Donc j'espère que vous avez eu un petit peu le temps de télécharger tout simplement eh bien, le pack depuis mon site. Alors que je commence déjà à remercier certains d'entre vous, vous êtes vraiment fous, hein, pour votre don. Jean-Marc Ferry, merci à toi, c'est très gentil, il faut que je réponde à ton message pour pouvoir organiser une master dans le sud. Eh oui, c'est très gentil. Valérie Dordain, merci infiniment Valérie. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est de la part d'Alain. Si je ne dis pas de bêtises, merci infiniment, c'est très très gentil à toi. Merci beaucoup, Gildas. Bah, merci beaucoup aussi, Gildas, que je pense voir, je pense que c'est toi donc, pour la Master Workshop du 19 juin. Donc, merci infiniment et bienvenue donc dans ce cours spécial Gary Moore. J'enlève l'indication de téléchargement pour le pack. Vous pourrez toujours, je vous le rappelle, hein, le trouver en haut du chat épinglé par l'ami Laurent Duroc. Donc oui, Gildas, c'est bien toi, donc avec grand plaisir, merci infiniment, c'est très gentil. Alors, on va entamer un petit peu aujourd'hui, enfin tout de suite, le vif du sujet, les amis, avec du coup Gary Moore. Alors Gary Moore, c'est un musicien merveilleux, je ne peux pas en parler au passé, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, voilà, je ne peux pas en parler au passé. C'est quelque chose qui m'arrache la bouche. C'est un musicien merveilleux. Il a officié donc dans Thin Lizzy. Il a eu une carrière hard rock, une carrière blues, une carrière blues rock. Il a même fait un essai avec un album plus électro avec lequel j'ai moins accroché, très honnêtement. Mais voilà, c'est un merveilleux musicien qui est rempli d'un beau feeling. Voilà, alors pas un feeling en mode groupe Facebook idiot guitariste ou alors drama YouTube, mais véritablement une manière de voir la musique qui est toujours avec les tripes, en fait. C'est quelque chose qui se ressent toujours dans sa manière de jouer. Il est toujours impliqué. Chaque note est habitée par Gary et c'est toujours une implication presque physique. On se souvient hein, de ces lives dans lesquels il était tout le temps en sueur, il était toujours en permanence impliqué physiquement, musicalement et mentalement dans sa musique et dans ses solos. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, les amis, eh bien, ça va être tout simplement un type de mélodie qui est basé sur le style de ce grand monsieur, avec plein d'éléments qui font partie de son style et qui l'utilise de manière totalement récurrente dans ses interventions solo. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur ma deuxième caméra, qui est, sans mauvais jeu de mots, eh bien, braquée sur mon manche, bien entendu. Et on va tout simplement découvrir la grille d'accords qui va être de rigueur ce soir. On va l'expliquer un petit peu. Il y a Gilles V qui dit « J'arrive pas à télécharger le pack en cliquant sur le lien. » Ah bah, je sais pas, vous avez tous téléchargé le pack.
Il n'y a pas de souci avec le lien. J'ai testé sur mon site tout à l'heure, donc rassurez-moi. J'espère que tout se passe bien avec le téléchargement du pack via mon site. Voilà. Comme il y a l'ami Pierre chez Rocky qui dit braqué sur le bulge, comme le dirait mon bro Jay. Voilà. Ah, ça a marché, Jimmy a un souci, bah, je sais pas, c'est pas de souci. Bon, bah écoutez, essayez de rafraîchir la page et vous pourrez le télécharger. Normalement, tout est bon. Voilà. Il y a Val en la personne de Guitare Zéro. Coucou depuis hier, Val. Donc, tu as bien téléchargé. Bon, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. Nickel le pack. Bon, parfait. Donc, ce que je vais faire, moi, dans un premier temps, c'est bien sûr vous expliquer la grille. Et me mettre en son clair. Voilà, donc je suppose que la guitare, vous l'entendez tranquillement. Voilà. Je suppose que vous entendez bien ma guitare. Pour Echo Charlie, le QR ne marche pas. Ah, zut. Flûte, bah, au pire, il y a le lien PayPal dans la description, Mister Echo. Donc, à toi de voir si tu souhaites. Merci infiniment, en tout cas, si c'est le cas. Alors que je remercie Laurent Lafolie. Merci infiniment, Laurent. C'est très gentil à toi. Merci de ton don. Romain, il fallait pas. Romain, c'est gentil, mais il fallait pas. Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il fallait pas. Ah là 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 là. Magali, merci infiniment, Magali. C'est très gentil. Ainsi que Léo. Voilà. Merci à toi, Léo Duffner. Si j'écorche ton nom, toutes mes excuses. Alors du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit peu le backing track ainsi que la grille. Alors je vais afficher la grille. Voilà. Voilà la grille d'accord qui est bien, bien charnue aujourd'hui. Voilà. je fais ce que je veux, wesh, dit Romain. Bon, bah merci beaucoup, c'est gentil. La grille qui est quand même bien charnue aujourd'hui, avec peut-être un accord qui va peut-être vous poser souci, mais on va bien entendu en parler. Il est très important. Coucou à Axel, mon petit Axel, mon pote Axel. Ça va, mon petit Axel? Il regarde depuis sa Xbox. Eh ben écoute, coucou depuis la Xbox. J'avoue que YouTube, j'ai tendance à le regarder aussi sur ma Xbox One. Je l'avoue. Donc alors, trois lignes de grille d'accords avec des accords plutôt simples que l'on va essayer d'écouter immédiatement. Les amis, c'est parti. On écoute la grille et je vous la rejoue juste après. La mineure. Ré mineur. Sol. Do. Retour au La mineur. Ré mineur. Mi majeur. La mineur, le temps d'une demi-mesure. Mi majeur, une demi-mesure. Ensuite, on passe à la ligne de dessous, la mineur. Ré mineur à nouveau, on va avoir quand même une belle répétition de la grille. Sol. Do. La mineur. Ré mineur. Mi majeur, et là attention, micromodulation avec une tierce majeure, La majeur, écoutez bien. Voilà, ensuite on passe à la deuxième partie, Ré mineur. Sol. Do. Un petit Fa. Si mineur 7 bémol 5. Mi majeur. La mineur. Résolution en La majeur, tierce majeure. Et fin du backing track.
Voilà. Donc là, en fait, on vient d'écouter la grille d'accords sur le backing track. Donc là, il s'agit du backing track court que vous avez dans le pack Les Amis et du coup, qui contient notamment sur les deux premières lignes pas mal d'accords en commun, sauf la fin du cycle qui voit un accord de La majeur. Alors ça, ça va être assez important d'en parler. Bonsoir à Mika et à Chris qui viennent d'arriver, Mika P et Chris Dava. Eric Damien qui me demande si c'est la grille de Parisian Walkways. Alors c'est dans le même style, mais j'ai quand même pimpé un petit peu la grille pour pouvoir théoriquement ajouter des choses très intéressantes. J'ai la langue qui a fourché parce qu'il y a Mr. Stone Brown qui vient de dire le Si mineur sonne magnifiquement. Alors celui-là, on va en parler du Si mineur 7 bémol 5. On va en parler parce que à part lui, tout le reste, c'est des accords assez faciles. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer tout simplement, si vous souhaitez vous entraîner, eh bien, comment jouer les accords de cette grille. C'est intéressant quand même de ne pas passer son temps à décortiquer uniquement les parties solo d'une pièce musicale. Le La majeur, c'est une tierce picardée. Oui, tout à fait, Mister Pierre, enfin Cherokee. Résoudre une grille d'accords par un accord majeur qui est le contraire, entre guillemets, de l'accord de tonalité, c'est une tierce picarde. Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, je vais vous le jouer. D'accord ? Je relance le backing track et je vous joue la grille de sorte que, totalement simplement, il va falloir jouer, pour être un petit peu pareil que sur le backing track, les trois cordes graves vers le bas. Et les trois accords aigus vers le haut. À chaque accord, ça va être comme ça. Donc, voilà, c'est tout simple, mais c'est très joli. Et c'est important parce que cette guitare-là, elle fait partie aussi de la pièce musicale. Donc, ça peut totalement intéresser ceux qui, parmi vous, souhaitent quand même travailler les arpèges simples d'accords en accompagnement. Ça paraît peut-être un petit peu, entre guillemets, basique, mais la guitare, c'est ça aussi. C'est tout simplement tisser un tissu rythmique, pas forcément toujours compliqué, avec 250 milliards de notes qui courent dans tous les sens. Donc je vous joue la grille avec, pour chacun des accords, toujours la loi des trois cordes graves et des trois aigus à rebrousse-poil. Trois cordes graves vers les aigus et trois cordes aigus vers les graves. Ok ? Tout ça pour vous dire, vous avez l'air de trouver que mon son est joli, merci infiniment. J'utilise ma tête JVM 410H, là, branchée dans mon Line 6 HXFX, avec tout simplement un chorus. C'est tout. Le delay se trouve sur Cubase, regardez. Voilà, là, je touche juste mon son sur Cubase. Et là, j'enlève le delay, voilà. La reverb, c'est la reverb de l'ampli, voilà. Donc là, en gros, je suis avec un son de mon Marshall, c'est très gentil. Donc, comme le dit JM en guitare, tout à fait, c'est ternaire, on est en 3-4. Voilà, donc c'est... Ok, 3 cordes graves, 3 cordes aiguës. Donc c'est parti, je vous joue la grille. Deuxième ligne.
troisième ligne. Fa. Je vous ai joué la grille, vous avez vu qu'il ne faut pas se déconcentrer, hein, mine de rien. Ça a l'air simple comme ça, mais jouer ça sans accro, ça demande un petit peu de travail. Alors, il y a Sébastien Jensen qui me demande, est-ce que ce serait possible d'avoir la partie rythmique sur la deuxième piste sur les tabs STP? Bah non, là, je viens de l'expliquer. Si tu souhaites comprendre à nouveau la grille, comment elle est jouée, je viens de le dire, c'est tout simple. Donc, au pire, tu reviens sur le replay de cette vidéo. Je ne peux pas modifier les... Je peux pas modifier les packs que j'ai mis en ligne, je vais pas faire ça en fait. Je n'ai pas envie que ce soit trop assistana non plus, j'ai envie que ce soit accompagné avec la vidéo aussi. Donc voilà, pour tout report ultérieur à la grille, eh ben, revenez ici, tout simplement, à peu près à 26 minutes. Salut Cyril, comment vas-tu? Rida Amami a rejoint le premier palier pédago en tant que membre. Merci beaucoup Rida, c'est très gentil, merci infiniment à toi. Et bienvenue. Avant de continuer l'explication, peut-être que j'ai des personnes à remercier pour les dons. Oui, en effet, oh là là. Un merci infini et gigantesque. Petite pause là, après la grille. Simon Lefebvre. Merci infiniment, Simon, c'est très gentil. Emmanuel Collin, waouh, merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Merci infiniment. C'est un don énorme. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Vraiment. Bertrand Cabon, merci. Merci beaucoup à toi. Le copain Johan Zavatero, merci Johan. Merci beaucoup, c'est très gentil. Louis Aimig, merci. Vous êtes trop gentils tous. Merci infiniment, merci beaucoup. Vous êtes trop cool. Donc, on retourne sur notre grille, les copains. Hello Joachim. Salut Joachim. T'as gratte part, hein, vraiment. Hein. Putain. Salut Seb Garnier. Bienvenue si vous venez d'arriver. Ne vous inquiétez pas, hein, je rappelle que le replay, bien entendu, est disponible par la suite, évidemment. Donc voilà. Alors donc cette grille-là, voilà, est constituée d'accords simples, sauf un. Voilà. Ce petit crétin-là, qui s'appelle le Si mineur 7 bémol 5. Voilà, c'est un accord demi-diminué ou alors diminué. Voilà, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Qui va être le lit de plein de choses. Alors, pour être un petit peu plus clair, la mineur, ré mineur, sol, do, tout ça, mi, vous pouvez, vous les connaissez déjà, voilà. Vous pouvez tout simplement, si vous vous en souvenez plus, si vous êtes vraiment débutant, aller les consulter, c'est pas compliqué. Le si mineur 7 bémol 5 est un petit peu plus complexe dans le sens où il est un peu constitué de parfois des intervalles de tierces mineures qui s'empilent pour pouvoir justement par la suite diminuer. Et ça va être le lit de la tonalité mineure harmonique. Pas que lui, hein, mais d'autres. Ok ? Donc, quoi qu'il en soit, comment est-ce qu'on le construit ? Donc là, on va tout simplement jouer notre Si. Ensuite, le triton du Si, donc en l'occurrence le Fa. Ok ? C'est la quinte bémol. Et on va faire un petit barré. Avec une septième mineure, ainsi qu'une tierce mineure. Donc on va avoir... Attention, on ne joue pas les deux cordes de mi, qu'elles soient graves ou aiguës. Regardez bien comment je place les doigts. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Mon index en barré sur les cordes de La, Ré, Sol et Si. Et le majeur et l'annulaire sur les cordes de Ré et Si. Ok, ça c'est le Si mineur 7 bémol 5.
mineur 7 parce qu'il est une septième mineure, bémol 5 parce qu'il est une quinte bémol, caractéristique de tout ce qui est diminué, demi-diminué, gamme symétrique et triton. La quinte bémol étant le triton de chaque tonalité. Ok ? Donc, si mineur 7, bémol 5. D'accord ? Donc, avant terminer définitivement avec cette grille, donc petit rappel, voilà le La mineur. Voilà le Ré mineur. Le Sol. Le Do. Retour au La mineur. Retour au Ré mineur ensuite. Et là, attention, on va avoir le Mi majeur, dont la tierce majeure ne fait pas partie de la tonalité de La mineur naturelle. Et donc, qui constitue la septième majeure de la gamme de La mineur naturelle. Donc là, on est dans le mineur harmonique. Et juste après, résolution en La mineur, ici, pour revenir sur le Mi mineur et repartir sur le La mineur, ici. Ré mineur. Sol. Do. Retour au La mineur. Ré mineur. À nouveau le Mi majeur ici, qui va encore induire la gamme de Mi mineur, de La mineur harmonique, et le La. Voilà, un petit peu en mode tierce picarde à cet endroit-là, dont on va faire résonner la tierce dans le solo de tout à l'heure. Ok ? Ensuite, troisième et dernière partie, donc Ré mineur. Sol. Alors que je dis bonjour à Didier Sorbi et Thomas Moncieux. Do. Comment allez-vous ? Fa. Le fameux mineur 7 bémol 5. Retour au Mi majeur. La mineur. Et résolution en tierce picarde. La majeure. Ok. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de cette grille particulière, tout en sachant qu'on ne pourra pas forcément, bonsoir Christophe, rentrer dans les gros détails dans un cours sur YouTube. Mais aujourd'hui, ça a l'air quand même d'être assez calme dans le chat. Je suis content qu'il n'y ait pas de flux trop important de messages. On reste totalement tranquille quand même au calme. Heureusement, c'est pas la chaîne du JDG ou alors d'autres YouTubeurs plus balèzes. La tierce picarde, oui, je l'ai expliqué tout à l'heure, Cyril, c'est l'action de terminer une grille par le même accord, mais majoré. En l'occurrence, le La majeur. Ça donne une sensation d'ouverture de fenêtre à la fin. Terminé en majeur, c'est une sensation qui ouvre un peu les fenêtres. Alors, vous êtes studieux. Vous êtes adorable. C'est très, très gentil. C'est bien d'être concentré. Voilà, là, du coup, la grille, voilà, on la ressent. On l'a expliqué, ok ? Mais on va la mettre en lumière avec un solo, bien entendu. Et ce solo, d'exemple, aujourd'hui, je vais vous le jouer immédiatement en basculant sur le son rythmique et solo de ma tête. Voilà, c'est parti. Donc, je vous le joue et on l'explique juste après. Il y a les tablatures, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, je vérifie juste mon son. Allez, on est parti, go!
Voilà à quoi ressemble ce solo, les amis. Donc, on constate qu'on a quand même pas mal de bend, de l'expressivité, pas de shred, mais quelque chose qui a du sens. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça a du sens. Coucou, Mr. Sully de Epcat. Tu tombes bien parce que j'utilise tout simplement ma Charvel qui est équipée avec des Epcat Full Bucker 59. Et sache, Sully, que j'ai même foutu ton gros sticker à l'arrière de ma gratte. Voilà. Le sticker Epcat. Voilà. Parce qu'elle sonne trop avec ces micros-là. Voilà. Je vais essayer de pas la faire tomber. Alors, Titouan, il y a une question. Ah, j'ai pas vu la question de Titouan. Parce qu'il y a Cyril qui dit « Attends que Nono confirme ». Ah, je n'ai pas vu, désolé. Donc, là, on va avoir le solo. Et bien entendu, il s'agit de la tablature que vous avez dans le pack, les amis. Avec, du coup, quelques phrases qui sont incrustées juste eh bien, en bas de l'écran. Pour que l'on puisse un petit peu eh bien, expliquer les choses. Alors, on fera toujours... Je me remets au début de mon projet Cubase. On sera toujours avec un rapport avec la grille. Voilà, on aura toujours un rapport avec la grille. Et on va essayer d'expliquer pourquoi les choses sonnent bien. Et ben, il n'y a pas de mystère. C'est parce que ça a forcément un rapport avec la grille sur laquelle tout ça est joué, évidemment. Donc là, en fait, on va essayer d'allier le sens des notes à celui du son. Vous avez entendu, peut-être, Cyril dit que Titouan demandait la tonalité du solo mineur harmon. Alors, on a le solo majoritairement en la mineur naturel, voilà, avec les accords. Alors, qu'est-ce qu'ils éclaircissent bien, ces micros Epcat. Bref, la majorité du solo en tonalité de la mineur naturel et les parties qui sonnent un petit peu... très émotionnellement chargés, eh ben, sont en la mineur harmonique. Voilà. ben, merci infiniment. Recoucou Charlie depuis samedi dernier, qui me dit que le cours est captivant. Ben, merci infiniment en tout cas. Là, du coup, en dessous, on a la première partie du solo et on va voir qu'on en a plusieurs, hein, des parties comme ça. Mais on va essayer de comprendre que les mêmes choses peuvent être jouées et puis donner une impression différente si on change quelques petits trucs. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'au début, j'étais en micro-manche avec un volume de ma guitare baissé. Voilà. Oui, l'aéolien. Oui, ben, l'aéolien, c'est le synonyme de la mineur naturelle, Mr. Brizzly Adams. Donc, hello Marc Le Calvez, comment vas-tu? Donc là, vous avez entendu que j'avais un son très rond et Gary Moore aime beaucoup commencer et annoncer ses mélodies d'une manière un petit peu discrète, presque timide au début, vous avez entendu? Vous voyez, hein, c'est très très timide au début, avec un son très très rond, très très chaud, très manche. Et avec le volume de la guitare un peu retranché pour avoir un peu d'expressivité, comment dire, très très suave. Voilà, quelque chose de doux. Voilà, pas le full gain total, parce que Gary Moore était un musicien qui saturait énormément son. Il jouait même son Soldano SLO-100 dans sa carrière, un ampli qui a une réserve de gain qui est absolument phénoménale. Comme le dit Mr. Stone Brown, il utilisait formidablement bien le micro-manche. Voilà. Warm Frank, bonsoir, bah ça va, et toi-même? Voilà. Voilà, comme le dit Echo Charlie, il était timide au début, et ensuite il lâchait les chiens. Ce qui fait qu'en jouant à peu près la même chose, il arrivait à quand même varier le propos, vous voyez, et amener une énergie différente, même si c'était à peu près la même mélodie. Voilà. Il y a Eric Damien qui dit « Tu tires une corde entre mes yeux, mon cœur et mes tripes ». Bah, merci Eric, mais merci à Gary, voilà. Et du coup, on va expliquer la première partie de la mélodie, notamment avec ce petit « La » casse 14 cordes de « Sol », qui est donc bien un « La », hein. On annonce la tonalité tout de suite, avec du coup, eh bien tout simplement, un « Bend » sur la case 15.
Et comme le demande Didier Parfait, ouais, c'est super important les vibrer, c'est primordial. Primordial. Un vibrer en haut, au sommet d'un bend, on n'est pas obligé de le faire immédiatement. On peut le délayer, par exemple, juste ne serait-ce que ce premier bend-là, hein, ici. On peut attendre un petit peu avant de le jouer. On peut laisser aussi, on peut se faire confiance, laisser mourir la note. Voilà, ça c'est joli. Voilà, vous faites de la musique. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un sustain qui dure 75 ans, comme le demande peut-être Brizzly Adams. La note infinie de Parisian Walkways, c'était la magie du placement par rapport à l'ampli, oui, repéré pendant les balances avec une petite croix de scotch par terre pour pouvoir trouver le spot de l'arsène. C'est exactement ça, voilà. Et c'est pas le sustain. Je suis désolé, l'ami Echo Charlie, je suis désolé de vous décevoir. Ce n'est pas le sustain, voilà, qui faisait sa note infinie. C'était le Larsen. Il partait dans un Larsen absolument identique à la note jouée. Et il pouvait durer 20 ans avec ça. Et c'est pas le sustain, je suis désolé. Voilà. Désolé, hein, voilà. Donc, cette petite mélodie comprend une note, donc un La ici, qui commence ce qu'on appelle en anacruse, c'est-à-dire que c'est avant la mesure. Voilà. Et du coup, dans l'accord de la mineur, on atterrit sur une quinte. Voilà, une quinte. Le Mi, case 12, corde de Mi aigu, c'est une quinte. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va essayer d'être très expressif et de véritablement jouer les bends les plus justes possibles. Je rappelle que full en haut d'un bend veut dire que l'on fait un bend d'un ton, c'est-à-dire deux cases. Donc si on bend de deux cases à partir de la 15, et donc ça veut dire qu'on a une case 17 et donc un Mi. Si on se foire dès le premier bend, c'est pas cool parce que on entend quand même la fausse note. Voilà, vous entendez, même sensiblement plus élevé, c'est pas génial, voilà. Donc là, en l'occurrence, la petite mélodie qu'on a ici. On va la continuer sur la partie 2 et vous comprenez bien qu'il y a un schéma qui se répète, voilà. Ok, ensuite là, on retourne ici sur la même chose. Et pour varier un peu, ici, on fait tout simplement un sol case 15, un tout petit peu ajouté pour meubler. Hein. Et rien que ça, c'est joli. Vous voyez ? Là, rien que ça, c'est joli. Joli mot, Anna Cruz. Merci pour le nouveau mot pour moi, me dit Brizzly. Merci, c'est très gentil. Une Anna Cruz est une note qui commence avant une mesure. C'est un petit peu comme... Vous voyez, hein, le truc de The Knack, My Sharona, on a la première note en Anna Cruz avant la mesure. Voilà. Vous voyez, hein, donc cette note-là, elle est dans Anna Cruz, c'est donc elle est avant la mesure. On continue avec la partie 3. Voilà. Et du coup, la partie 3... Là, du coup, on va avoir cette case 13 ici. La case 13, vous entendez ? Elle est particulière, cette case 13, elle sonne mineur harmonique parce que... Figurez-vous que le moment où on la joue, eh ben, c'est le moment où il y a le Mi majeur dans la grille. Vous n'avez pas remarqué que 1 égale 13, cette note-là, c'est la tierce majeure de l'accord de Mi majeur sur lequel on se trouve à ce moment précis. Donc, en fin de compte, dans le discours solo, pour qu'il soit mélodique et joli, il faut absolument qu'il y ait des éléments, des accords de la grille lorsqu'on joue. Sinon, le solo, il n'a pas de sens. Ça rejoint un petit peu aussi l'improvisation, si vous voulez. Donc là, en l'occurrence, ici, on est tout simplement sur le Mi majeur. Et là,
on est sur le La mineur. On vient résoudre. Et le dernier La bémol vient ici rappeler aussi qu'on a le retour de Mi majeur. Eh bien, comment dire, dans la grille. Voilà. Donc, je vous répète avec la musique. Bim. Le solo. Le début du solo. C'est parti. Là, on est sur le Mi majeur et on revient. La mineur. Voilà. Vous avez compris un petit peu le début, la première partie. Donc là, on a l'exposition de la mélodie. Voilà, sur ces trois parties-là. Vous avez la tablature dans le pack, bien entendu. JM en guitare dit, c'est la note caractéristique du mineur harmonique. Tout à fait exact. Voilà, exactement. La note caractéristique de la gamme de mineur harmonique, c'est la septième majorée, bien sûr. Et là, cette septième majorée est représentée par la tierce majeure du Mi majeur. Et Christophe, Mr. Chris Watanabe, comment vas-tu depuis la fois dernière, depuis samedi dernier, qui me demande, quand tu improvises justement, tu as le temps de penser à tous ces détails? Oui, il le faut. Voilà. Un bon improvisateur, pour moi, c'est quelqu'un qui colle à la grille et c'est quelqu'un dont on entend la grille dans le solo. Peut-être que je ferai même carrément sur ma chaîne une masterclass sur l'improvisation. Qu'est-ce que vous en diriez? Avec un contenu totalement inédit qui ne viendrait pas en doublon avec les masterclass spéciales improvisation que je donne entre guillemets en réel. Mais avec un contenu préparé pour cette master-là spéciale. Est-ce que ça vous dirait? Voilà. Gratuite sur ma chaîne avec la base des dons. Voilà, tout simplement. Comme vous êtes toujours présent au niveau des dons, ça ne me dérange absolument pas d'y injecter du travail. Alors là, ensuite, on va avoir quelque chose qui change, les amis. Ah bah, ça a l'air de vous brancher. Bon, écoutez, hein, je vais commencer à éventuellement faire des masterclass sur ma chaîne. Avec véritablement quelque chose de parfaitement construit et de bien charnu, bien gras. Voilà. Donc, pourquoi pas, voilà. Alors que je remercie, avant de continuer, Laurent Watkems, bah, Mr. Laurent, voilà. Pourquoi est-ce que je dis toujours, voilà, pour moi, je vais imprimer que du rock, c'est Watkems, quoi. Merci à toi, Laurent, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci aussi à Michael Peruzotti. Merci, Mika, c'est très gentil à toi, merci. Kylian Torrens, merci, t'es sûr? Enfin, ok, merci Kylian, excuse-moi, enfin, c'est très très gentil, enfin, merci. Ça me met, voilà, merci Kylian, c'est adorable, merci beaucoup, c'est waouh. Merci Michael de rien, merci infiniment Mika, c'est très très gentil, qu'est-ce que vous êtes gentil, merci beaucoup les amis. Merci aussi à Bruno Jousson, merci Bruno, merci à toi vraiment, qu'est-ce que vous êtes gentil. Seb Garnier, merci Seb, merci beaucoup, c'est trop gentil, merci. Patrick Danzé, merci Patrick, qui me met un petit mot d'ailleurs, qui me dit « je découvre tes cours avec bonheur ». Vu ta pédago, merci, je crois que je vais progresser. Merci Patrick Danzé. C'est gentil, le petit mot que tu m'as mis. Merci infiniment. Merci aussi à David Lignon. Merci. Merci à toi David, qui me dit dans le message, désolé pour le petit don, PS, c'est la galère frère. Il n'y a pas de petit don. Merci infiniment à toi David. C'est gentil comme tout. Voilà, c'est le soutien qu'on peut avoir les uns avec les autres. Merci, moi ça me fait un plaisir infini de vous proposer ce cours
Merci à toi et merci à vous tous. Et Rachid Ben Sadek, merci Rachid, c'est extrêmement gentil à toi. Ah, ne vous désolez pas les gars, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est Brizly, ben voilà, c'est toi Brizly. Merci à toi Brizly, c'est très gentil. Jérôme Broquet, voilà, merci infiniment. Vous êtes adorables, les copains. Donc on continue le cours. Allez, c'est parti. Avec donc cette deuxième partie qui change un petit peu. Parce qu'à ce moment-là de la grille, on va avoir le Mi majeur. Et là, c'est le La majeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici, les copains? Ici, on va être... Voilà, je reprends La. Donc, ça, c'est dans la deuxième portion. Vous l'entendez, ce bend à la case 12 qui amène du Si au Ré bémol? Vous l'entendez, hein? Eh bien, on atterrit sur quoi? Qu'est-ce que c'est que le Ré bémol? Eh bien, c'est tout simplement la tierce majeure de l'accord de La. Vous avez compris? Je vais le répéter tranquillement. Je vais vous rejouer toute la mélodie et vous allez voir. Cette séquence-là, je vous donne l'endroit où est-ce que ça commence. C'est parti. Je me remets un son pépère. Deuxième partie, je m'énerve. C'est parti. Ici. Écoutez bien vers le La majeur, ce bend. Voilà, vous l'avez entendu ce bend ici? Derrière, dans la grille, on avait le La majeur. Et là, du coup, on a entendu la tierce majeure de l'accord de La. Oui, voilà, j'ai vu qu'il y avait marqué majeur qui dit do dièse ou ré bémol. Là, en l'occurrence, je sais qu'il y a un protocole pour dire un petit peu les notes. Je dis un petit peu dans ce contexte, oui, il vaut mieux dire do dièse parce que c'est comme si on majorait la tierce, mais j'ai tendance à réfléchir en sus 4 résolu. Alors qu'en sus 4, voilà, on a bien un ré. Voilà, donc là, c'est pour ça que c'était une petite réflexion personnelle. Evan me demande si là j'utilise ma pédale signature pour le delay. Non, non, là le delay c'est juste un delay sur Cubase. Regarde, j'enlève le delay sur Cubase. J'ai plus de delay. Voilà. Et là. Voilà, c'est le delay du logiciel gratuit. Tout simplement le delay gratos. Hello, Mister Loris, comment vas-tu? Alors, Didier Verlet, coucou mon Didier, comment vas-tu? Le bend sur la case 12, tu le fais avec le majeur, mais ça gêne si on le fait avec l'annulaire ou pas. Non, ça gêne pas, mais je le fais avec le majeur pour pouvoir avoir l'annulaire disponible par la suite. Et continue la mélodie. Vous voyez un petit peu le truc de tout ça, la grille que l'on a, je vous la rappelle. Je vous la remontre. Hein. Donc voilà, là on a fait... toutes les deux premières lignes dans la mélodie. Donc en fait,
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a répété à peu près deux fois la même chose. Salut Thomas Lemel, bonsoir. Donc voilà, on a répété à peu près deux fois la même chose, sauf que ici, à la fin, on a une résolution en tierce picarde de La majeur dont on a entendu la tierce. Voilà, hein. Donc là, c'est parti aussi pour, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, la partie 5, qui vous propose une autre mélodie, hein. Donc c'est parti, je vous joue la suite en cours de route. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est sur la troisième ligne de la grille. Et hop, je vous la remets juste deux secondes ici par-dessus la tablature, c'est pas grave. On voit qu'on a en bas Ré mineur, Sol, Do, Fa. Ré mineur, Sol, Do, Fa. Donc Ré mineur, Sol, Do, Fa. Donc quand on est là. Qu'est-ce que c'est que cette note qu'on bend à la case 17? Eh bien, c'est la tierce mineure de l'accord de Ré mineur. La tierce mineure, c'est très important de la faire sonner parce que selon moi, c'est la deuxième note la plus importante de la triade, dans le sens où elle renseigne énormément sur le côté triste ou joyeux de l'accord. Donc là, quand on a. Ce Ré mineur là, hein. Moi je fais les Ré mineurs un petit peu partout, je m'en moque, vous voyez. Et du coup c'est important, là on colle à nouveau sur la grille. Et là, dans la grille, vous avez dit, hein, Ré mineur, Sol, Do, Fa. Et là, la case 12 ici, pourquoi elle sonne bien? Bah, parce que c'est un Sol, on est en train de jouer la tonique de l'accord. Vous comprenez la relation entre la mélodie et les accords? C'est important, ça. C'est important. Le truc, c'est que l'improvisation, là, c'est une mélodie que je vous ai écrite, hein, mais une bonne improvisation, on en parlera peut-être pendant la master que je vais faire sur ma chaîne, une bonne improvisation, c'est une mini-composition en temps réel, en fait. Voilà, vous voyez un petit peu? Alex qui dit un régal ce cours, merci, merci infiniment. Et comme le dit Bruno Lefebvre, oui, 2-5-1-4. Voilà, c'est à peu près la cadence qui est appliquée là sur les accords. Donc là, on a en effet. Voilà, donc vous voyez un petit peu ce truc. Une bonne impro suit la grille souvent, non? Demande Cyril, ouais, tout à fait, ouais. Le truc, c'est qu'une bonne impro, pour moi, si on l'écoute toute seule, on doit entendre la grille. Par exemple, si je vous prends un petit aparté de 2 petites minutes. Si je prends la grille de The Thrill Is Gone, il faut qu'on puisse l'entendre. Thank you.
Voilà, vous voyez un petit peu? Donc là, c'est un réflexe qu'il va falloir un jour obtenir, mais je pense que j'en parlerai durant la masterclass improvisation. J'ai pas mal de choses peut-être à vous partager avec la master gratuite sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, je pense qu'elle durera bien 2 heures, voilà. 2 heures ou 2 heures et demie, voire 3 heures, pour que l'on puisse bien comprendre tout ce qui se passe. Peut-être qu'elle sera pour les membres, peut-être qu'elle sera en gratuit, je ne sais pas. Je vais réfléchir. De toute manière, il y aura toujours des cours gratuits sur la chaîne. De toute manière. Alors, Major qui précise un peu la grille de The Thrill Is Gone. Oui, sauf que c'est un Fa dièse Major 7. Voilà. Ok. Donc ça, en fait, vous avez entendu dans ma petite impro, la grille de Thrill Is Gone. Et là, c'est un petit peu le cas avec Gary Moore. On est quand même dans une expressivité qui colle terriblement à la grille. Et là, du coup, partie 5, voilà, on va avoir un autre schéma, tout simplement. Je me gratte sous mes lunettes. On va avoir un autre schéma mélodique que vous pouvez tout simplement consulter sur la tablature avec lequel on termine sur la tierce majeure de l'accord de La. Parce qu'on vient résoudre tout simplement sur le La ici. Donc je vais pas rusher les parties, mais je vais juste tout vous rejouer, les copains. Je me mets en manche. Un petit son. Tranquillou. Voilà. Est-ce qu'il y a un copain, un modérateur, s'il vous plaît, qui peut virer juste la personne avec un pseudo japonais qui me demande si je me drogue? Merci infiniment, les copains. Ça permet un petit peu de nettoyer le chat. Ah, encore que depuis un moment, on est tranquille, voilà. On est à peu près tranquille sur la chaîne, voilà, dans les lives. C'est plutôt cool. Merci mon copain Laurent, c'est très très gentil, merci à toi. Allez, je vous rejoue la mélodie, les amis. Ouais, ça s'appelle un pain. Allez, je suis désolé, je recommence, j'ai raté mon rake. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exprès de faire quelque chose pendant que je jouais cette mélodie-là, dont la tablature est fournie dans le pack et qui ne constitue au final qu'une sorte de guide. Bye bye, Seb Jensen.
La bise à toi et à bientôt. À l'occasion, je ne pense pas que ce soit le propos ici, tu pourras détailler ta technique de reiki, demande Cyril. Mais bien entendu, tout à fait, c'est totalement le propos ici, j'allais en parler. Justement, je bouge peut-être un petit peu la caméra. Donc la tablature, vous l'avez, hein, vous l'avez, vous connaissez maintenant le bail de la mélodie. Hein. Je ne vais pas vous faire vomir. Attendez, les copains. Voilà. Maintenant, on va parler des effets de jeu de Gary Moore. D'accord? Gary Moore a pas de vibrato, t'as pas pu t'empêcher, me dit Roro Boubou. Eh ben, excuse-moi de te décevoir, Roro, mais c'est totalement faux. Gary Moore a joué pendant des années avec une Charvel, avec un Floyd, et il utilisait énormément son Floyd, donc désolé, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme le dit l'ami Claude, ici présent, eh bien, en fait, j'ai rajouté des choses, j'ai changé des petits trucs, un petit peu d'impromptu, un petit peu de, comment dire, de, j'ai essayé de tourner autour de la mélodie, en fait. J'ai peu ou prou dit la même chose, mais j'ai changé certains trucs, j'ai changé, par exemple, de micro, c'est important de changer de micro, et pour un petit peu s'énerver, j'ai rajouté des trucs, notamment ce rec, ce fameux rec. Alors, en fait, en quoi est-ce que ça consiste? Moi, pour faire un rec, c'est cet effet-là, le rec, hein, je vous le refais. Faut pas en rajouter partout. Hein. Ok? C'est ce mouvement qui vient gratter, qui vient racler les cordes, comme si c'était le fond de la gorge alors qu'on a une grippe, vous voyez? Donc, merci Claude, c'est très gentil, mais pas de soucis, Roro. Donc là, en fait, le rec, c'est tout simple. Je vais vous dire très simplement les choses. Comme ça, au moins, ce sera très très clair. Ma note objectif, je la joue avec ce doigt-là. C'est presque le fuck, mais c'est l'annulaire. Voilà. Ce doigt-là, celui-là. C'est le doigt qui se met sur la note objectif, quelle que soit la case. Et quelle que soit la corde. Pour quelle raison? Parce que ça me permet de poser les deux doigts, index et majeur, étalés sur toutes les autres cordes, pour pouvoir les muter. Donc là, voilà, vous voyez? Si je décide que ma note objective, c'est la case 15 de la corde de Si, eh bien, ah non, je le fais pas au médiator, mon rec Cyril. Moi perso, je le fais. Coucou Jean-Philippe Lemaître. Je le fais avec majeur et index étalés. Voilà. Et là, je suis sûr que je suis peinard. Hein, je peux faire ce que je veux. Je me planterai jamais. Donc là, en fait, je suis juste tranquille. Voilà. Quelle que soit la case et quelle que soit la corde. Pourquoi deux doigts étalés sur les cordes? Bah, c'est tout simple, si je fais avec un seul doigt et par exemple je décide d'avoir le do dièse, case 14 cordes de si pour objectif. Et si je le fais ici, bah, il se trouve que mon doigt il se trouve sur les harmoniques. Donc là, ça fait chier. Or, il se trouve que dans la propriété physique d'une corde, quand il y a un seul doigt sur une case d'harmonique, notamment la 12, mais quand il y en a un deuxième n'importe où sur la corde, eh ben ça étouffe l'harmonique, c'est une propriété physique. Vous voyez un petit peu le truc? Donc moi, mon rec, c'est toujours avec deux doigts étalés. Et ça peut aller très très vite. Voilà.
Alors, il y a Cherokee qui dit, moi, j'étouffe avec la paume de la main droite, ça marche bien pour moi. Ouais, mais attention, suivant l'endroit sur lequel tu te trouves, c'est pas forcément un rec que tu vas faire, c'est plus un palm mute. Moi, perso, j'ai essayé comme ça. Et ben là, je suis en palm mute, tu vois, si je mute avec la paume de la main droite, un petit peu trop à droite. Donc là, en fait, rake, ça s'écrit Rake. To rake, ça veut dire sûrement racler, voilà, en anglais. Je racle en micro-manche. Voilà, et ça, ça donne une énorme impression de puissance et énormément d'énergie. Voilà, là, l'énergie est juste mortelle. Autre effet de jeu de Gary Moore, c'est, j'ai remarqué, cette manière de faire mourir les notes en pull-off. Je vous le montre avec un petit exemple de la mélodie. Vous avez entendu à la fin? C'est très bluesy, ça, c'est super stylé, hein. Et là, du coup, on est avec un effet qui joue tout simplement la note, le degré inférieur à la note sur laquelle on s'arrête. Et c'est tout simple, ensuite on vient cut le son. Voilà. Si on joue la note trop longtemps, eh ben ça donne pas le même effet. C'est pas pareil. Donc moi, en fait, j'aime bien aussi tout simplement eh bien, utiliser cet effet-là. Même des fois, moi, je le fais sur 2 degrés en dessous. Et là, je cut le son tout de suite. Voilà, même des fois, j'ajoute des petits trucs, vous voyez. Donc ça, c'est aussi un effet de jeu de Gary Moore. Et il a aussi une façon... bye bye, Frank Warme. Il a une façon aussi de jouer les choses d'une manière énervée, avec plein de petits trucs en plus. Il vient doubler la note à l'unisson, notamment sur la corde demi-aiguë quand il joue avec la corde dessus. Pour tout simplement, quand il les vibre, faire cet effet un petit peu d'opposition de fréquence. Gilmour aime bien les rakes aussi. Oui, il aime bien, mais lui, il les joue plus lentement, j'ai remarqué. Voilà, il est un petit peu moins sauvage que Gary, et puis c'est pas un souci, hein, tous les musiciens sont différents. Hein. Mais voilà, en fait, ces effets de jeu-là, je les trouve intéressants. Donc, voilà, rajouter à l'unisson la note au-dessus, ça permet de rendre le truc très plaintif, très 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 chargé en fréquence et en émotion. Bye bye Ricardo, thank you very much. Salut Ricardo, thanks. C'est très gentil. Un petit mot d'un Brésilien, si je ne dis pas de bêtises, ou d'un Portugais. En tout cas, merci à toi. Thank you Ricardo. C'est très gentil. Donc vous voyez un petit peu les effets de jeu qui parsèment le jeu de Gary. Petite pause pour remercier les copains éventuellement qui font un gentil et adorable don. C'est adorable à vous, les amis. Le temps que le machin il se charge, là, qu'est-ce qu'il fait mon mail? Je ne sais pas. Voilà. Oh, une belle vague de merci. Notamment, à l'attention, ça va se charger. Je vais vous le faire en face cam parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir impoli. Hein. À l'intention de Michel, ma Michel Païs, merci à toi. Le magasin rouvre en avril, Michel. On va se retrouver là-haut. Avec plaisir. Nico Siaka, mon Nico, t'es adorable, merci beaucoup. Je reviens vers toi en privé. Cyril, merci Cyril, merci à toi. C'est super gentil. Cédric Liroux, merci Cédric, merci infiniment à toi, c'est adorable. Ainsi que Gilles Villemain, merci Gilles, merci beaucoup, merci infiniment. Charles Guéry, merci Charles, merci. Loris. Ah, Loris, il faut pas, Loris! Mais bon, merci infiniment, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est gentil. Et Didier Verlet, waouh, Didier, merci beaucoup, Mister Elfrul.
Merci Elfreul, c'est gentil. Gentil comme tout. Alors Vincent qui dit désolé, j'ai pas saisi le truc pour le second effet. Je pense que tu parles de l'unisson. Unisson des deux sons pareils, dit majeur. Je vais quand même détailler un peu la chose. Donc quand on reprend cette petite portion de la mélodie. Voilà, on entend ce côté criard. Qu'est-ce que je fais en fait? Je fais le bend à la case 15. Et comme je sais, pardon de dire ça hein, les copains, mais bon c'est juste vrai, comme je sais que mon bend est parfaitement juste, je joue. Je dis ça, puis il ne l'est pas vraiment, vous voyez, c'est vraiment le contre-exemple. Je joue la case 12, qui est son vis-à-vis, c'est la même note. Et ensuite, quand je le vibre, l'onde va au-dessus et en dessous de la note de référence ici, tout simplement. Pour faire un côté très cria. Ok ? Voyez un petit peu ? Coucou Bitoku, comment vas-tu, cher Antoine ? Ça va Bitoku ? C'est nos petits noms qu'on se donne. Donc vous voyez un petit peu le truc au niveau de cet effet-là. Oups. Voilà, et là je cut le son, donc là on est déjà bien. Je vous rejoue la mélodie avec le backing track pour que vous ayez une idée de tout ça. Je vais essayer de vous le détailler en temps réel d'ailleurs, tiens. Là, au début, je suis timide, comme j'ai dit tout à l'heure. Je joue presque en demandant la permission. Très doucement. De temps en temps, des petits accros dynamiques. Petit slide. Hammer, pull-off. Là, je me vénère. Je me suis mis en aiguille avec le volume à fond. Ré. Pull off. Unisson. Petit bend. Répétition du bend. Coup de vibrato, un gourmand, tierce majeure du La, tierce mineure du Ré mineur, le sol tonique de l'accord en cours. Je délaye, c'est une super astuce aussi. Le Fa. Mineur 7 bémol 5, enfin plutôt là. On est sur mineur 7 bémol 5. Retour au La mineur. Et résolution à l'unisson sur la tierce majeure du La, petit violon. Voilà. Vous avez un petit peu vu. J'espère que vous m'avez entendu. Est-ce que vous m'avez bien entendu pendant que j'étais en train de faire la mélodie ? Si jamais, vous pouvez me le dire, je la refais et j'augmente un petit peu le volume de ma voix. Dites-moi un petit peu si c'était pas le bordel. Tout va bien pour Antoine, PTDR. Ce son, bah merci beaucoup. Très très bien. Non, pardon, bah impeccable, on m'entendait bien. Nickel, bon bah super, merci beaucoup. Je vais recommencer encore une fois la mélodie et je vais essayer de varier un petit peu les choses pour mettre un petit peu de sel différent à la mélodie. Je vais recommencer et je continue de vous commenter ce que je fais. Je vais vous faire peut-être voilà, une deuxième version, tout simplement. Je coupe la note. Slide. Un pré-bend.
Je joue un peu au doigt. Petit pull-off. Un vibrato très délayé. Je laisse résonner toutes les notes, c'est joli aussi. Hein. Bend. Je me vénère. Un sur-bend. Je gratte le bend. Je varie un peu. Et là, je pars un petit peu en live. Voilà. Donc là, en fait, j'ai rajouté pas mal de petites choses, et notamment certaines fois des bends plus importants qui atteignaient des degrés supérieurs pour éventuellement soit revenir au point de départ, soit revenir sur le bend initial. Ça, ça demande pas mal de travail. Là, j'ai fait un bend carrément de deux tons. Alors là, voilà. Là, ça demande une guitare bien accordée. Voilà, bah celle-là, elle bronche pas. Hein. Évidemment qu'elle bronche pas, vous savez pourquoi? C'est moi qui l'ai réglé. Voilà. Ça, c'est cool. J'aime bien cette expressivité. Et là, pourquoi, en fait, je vous ai mis un backing track plus long? Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez improviser, faire un petit peu vos propres mélodies, les amis. Ça, c'est très, très, très important pour pouvoir fertiliser un peu son imagination. On peut totalement rester sur la pentatonique de la mineure, mais il faut toujours essayer d'avoir la grille dans la tête. Je vous lance une petite impro totalement en freestyle. Voilà, je sais qu'il y a l'accord.
Voilà, donc là en fait, vous avez vu, je me suis un petit peu amusé à gauche, à droite, j'ai essayé de mettre des effets de jeu. Et voilà, il y a de quoi s'amuser avec le backing track long. Je crois que je voulais donner, et il fait 10 minutes, un truc comme ça. Mais il y a moyen de s'amuser en tonalité naturelle, de la, avec du la mineur harmo sur certains accords. Et puis tout simplement, eh bien, vous amuser, voilà. Pas forcément que ce soit compliqué. Vous pouvez, les copains, vous amuser en pentatonique de la, tout simplement. C'est très agréable. Bon, voilà. C'est histoire de s'amuser. Michel qui demande, quelqu'un peut me donner le mot de passe. Le mot de passe de quoi? Il n'y a pas de mot de passe sur le pack à télécharger du site. En tout cas, les copains, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vais encore faire un petit merci aux copains éventuellement qui m'aurait fait le plaisir et l'honneur de me faire un petit don pour valoriser le cours de ce soir. Merci, bah Joachim, merci. Je te garantis ta gratte part. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment à toi. Romain Garnero, merci, c'est super gentil. Merci Romain. Tom Moncieux, merci Tom, c'est gentil. Tom, merci beaucoup. Emmanuel Taflet, Manu Taflet, merci. Merci copain, c'est super sympa. Merci infiniment. Richard Gumiero, Mister Richard, qui m'avait fait le plaisir de commander un album. Bah, merci Richard, j'espère que tu aimes bien. En tout cas, c'est gentil. Christian Davas, merci infiniment. Les copains, c'est très très gentil. Sachez que si vous regardez ce cours en replay, bien entendu, eh bien, sachez que c'est totalement possible de faire un petit don en différé. Le QR est toujours valable, ainsi que le lien dans la description, les copains. Merci infiniment à vous. Et si vous avez des questions, et ben, tout simplement, je suis là. Si vous avez encore des questions vis-à-vis de ce cours, il y a la section commentaires. Je voulais aussi vous remercier infiniment pour le feedback que vous m'avez fait vis-à-vis de la dernière vidéo de ma chaîne sur Libanaise. C'est une vidéo qui arrive près des 20 000, et sur ma chaîne, c'est pas quelque chose de très très fréquent. Donc, je vous remercie infiniment. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben, c'est tout simplement une vidéo qui parle de la modification et de l'upgrade de cette Ibanez RG350 qui continue de me satisfaire à mort et qui sonne la race absolue. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller la checker. Sachez que j'ai une vidéo encore plus énorme dans les cartons et qui est déjà montée et qui est déjà mise en ligne en privé sur ma chaîne. J'attends juste le bon moment pour la launcher. C'est une vidéo qui vous parle tout simplement d'une mystérieuse guitare du Bon Coin que je pimpe de manière totalement insane pour la rendre professionnelle. Et c'est une gratte qui m'a coûté uniquement et simplement 120 €. J'avais aucune information sur cette guitare-là. Et je peux vous garantir que j'en ai fait un monstre énorme. Quoi qu'il en soit, les amis,
Maxence qui me demande sur quel ampli j'étais branché, sur le JVM 410, voilà. Sonorité sur 20, le JVM 410. Merci beaucoup. Donc voilà, merci les amis. Bruno qui me demande si je pourrais faire une vidéo sur la soudure du micro. Ouais, ça y est, je l'ai fait, j'ai vu un petit peu vos regrets sur la précédente vidéo. Il y a la soudure qui est montrée dans la prochaine. Donc, merci infiniment. C'est très gentil à vous. Merci les copains. J'espère que vous allez vous amuser avec ce cours sur Gary Moore. Merci Gary, voilà. RIP Gary. Tu resteras à jamais un musicien merveilleux. Pardon. Voilà. Gary Moore, c'est, voilà, ça m'a vraiment fait chier. Parce que c'est vraiment il a bercé mon enfance, en fait, de la guitare. Et il y avait Dave Murray, il y avait Gary Moore, voilà. Donc, merci Gary, merci à toi. Et les amis, je donne rendez-vous, pardon, hein, aux membres, le 23, voilà, un cours sur les accords depuis le départ. Voilà, c'est une thématique qui avait été décidée, pardon. Ah la vache, je commence à avoir de l'abus sur les lunettes, moi c'est mort. Décidée par vous, les amis, les membres, le 23 au soir, donc de la semaine prochaine. Prochain cours pour les membres, les accords. Je vous fais la bise. Chiroki demande, est-ce qu'on a le droit de mettre une impro sur le cours d'aujourd'hui sur YouTube? Évidemment, le backing track n'est pas libre de droit. Balancez des vidéos de votre impro, même de la mélodie si vous voulez au départ. Vous prenez le backing track long, il n'y a aucun souci. Des bises à tous, des bonnes grattes, amusez-vous avec la gratte les copains. Bises à Val, guitare 0, JM en guitare, Eric, Didier Sorbi, Mr. Stone Brown, merci à tous, Richard Goumiro, Charlie Charlot, mon Chris Hayden, merci à toi, Laurent Duroc, Antoine Rozac, merci beaucoup. Il n'y a pas le long? Si, il y a le long backing track long dans le pack. Tu me fais peur. Il n'y a pas le long? Ah, flûte! Eh ben, je mets le long. Voilà, je rajoute le long tout à l'heure. Toutes mes excuses, j'ai oublié le backing track long. Je le mets dans le pack. Voilà, je le mets dans le pack tout à l'heure, je suis désolé. Petite méprise. Voilà. Je le rajoute dans le pack tout de suite. Et je vous l'upload juste après ce cours-là. Désolé. Il y a le backing track long dans ce que je vais vous mettre. Voilà, retéléchargez s'il vous plaît. Désolé, hein, bon, ça arrive. Une petite erreur. Ça arrive, je suis désolé. Donc vous pouvez retourner juste après sur mon site et retélécharger le pack, les copains. Il y a le backing track long à l'intérieur. Vous me laissez juste 5 minutes et je vous fais ça. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci infiniment à vous. Peut-être un ou deux derniers remerciements vis-à-vis éventuellement d'un petit don. Non, non, ça s'est mis à jour, c'est bon. Non, bah, pas grave, pas de souci. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Vous êtes merveilleux, les amis. Et je vous fais des bisous. Je vous souhaite bonne guitare, les copains. Et surtout, bah, amusez-vous et vive Gary Moore. Voilà. Gary Moore pour toujours. Gary Moore, on te kiffe, mec. Merci pour ta musique. Et merci à vous pour votre présence, les copains. Des gros bisous. Bonne soirée.